Bon bah c'est parti pour faire des... Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont Mais à inversées. chaque fois qu'il faut Sais-tu? décrypter, il y a un petit machin comme ça que l'on ne refera plus jamais après dans le jeu. C'est plutôt facile et chiant. Alors ça on peut y passer normalement. Suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que les crimes. Donc là, par contre, c'est donc les fameux sacs à dos. Et là, Le menu de notre premier vrai rencard avec MJ. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spinner, l'infatigable. Yuri? Yuri, vous êtes là? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Hop. Et alors le jeu là, je reprends le jeu se fout de ma gueule là quand même. Là c'est pile aligné, genre c'est parfait, et il dit que c'est pas bon. Bah écoutez, on va profiter pour faire tous les collectibles. Là. On va faire ça, je pense. Ça m'aidera peut-être à conjuguer mon boulot et ma vie personnelle. Encore faut-il trouver le temps de lire. Coupe du prix scientifique Wilson Fisk et le chèque. Le job des super-héros laisse peu de temps pour une bonne hygiène. J'avais acheté cette calculatrice graphique d'occasion. Elle m'avait lâché en plein examen de trigo. Comme quoi, elle valait ce que j'ai payé. Ah, la fameuse recette des boulettes. Il manquait la dernière étape. Éviter de mettre le feu à l'appartement d'MJ. Il y a toutes les patrouilles. Un enlèvement a été signalé. Incident aux alentours de Park City, terminé. Le crash qui a coûté la vie de mes parents n'est un secret pour personne. Mais tous ignorent qu'ils bossaient pour le gouvernement. J'aurais aimé en savoir plus sur eux. La recette des galettes de blé de Tante May. J'ai jamais réussi à en faire d'aussi bonnes qu'elle. À toutes les unités, un véhicule est actuellement pris en chasse. Incident à Hudson Town. Mon badge de l'ESU pour le semestre où j'ai bossé comme assistant. J'ai pas pu continuer. Mais je me vois bien enseigner à nouveau un jour. Hé, hey, ce sont les gants isolants que j'avais utilisés pour mon premier combat contre Electro. Et c'est après ça que j'ai fait isoler ma combinaison. Et pour le coup, c'était pas du luxe. Une Spider peluche! Un fabricant de jouets a créé ce prototype, mais pour ça, il faut que je lui cède les droits. Appel à toutes les unités. On nous signale une bande de stupéfiants en cours. Les événements ont lieu dans le Lower East Side. C'est la carte VIP d'Harry à la boîte de nuit. Toujours à vouloir me traîner avec lui. Ma blessure à l'épaule a fini par guérir. Le paiement de la facture a été un peu plus long. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer le ballon de ce gamin et il m'a fait ça. Ce sont ces petites attentions qui donnent un sens à ce que je fais. Pendant le stage d'Harry, j'ai voulu mettre au point un prototype de toile liquide chez Oscorp. Ça a pas marché. Alerte, demande d'intervention.
sur un cambriolage. Le badge de visiteur quand j'ai postulé chez Oscorp. Le salaire aura été sympa, mais... le docteur Octavius me permet de vraiment faire avancer le monde. C'est marrant, mon vertige n'a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Du bal de fin d'année ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Beau symbole de ma vie sentimentale. Hé hey, mais lance-toi l'MK1. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage depuis, mais le design de base reste le même. Dorloin, terminé. Toi, l'axillaire. Je pensais pouvoir planer sur des courtes distances, mais c'était pas très convaincant. Elles étaient stylées, en tout cas. Je pensais que me balancer au bout d'un fil me permettrait de livrer des pizzas plus vite. C'est le cas, hein. Mais dans quel état ? Quand Vulture a fêlé mon œil, il a failli m'éborgner. Ça a été un déclic pour moi. Il fallait trouver un matériau plus résistant. Ah, c'est le brouilleur que j'ai bricolé pour détraquer les ailes de Vulture. Dommage qu'il les ait améliorées après. Avec cette fiole de sang de Lizard, j'ai pu concocter un remède et redonner au docteur Connors sa forme humaine. Dommage que ça ait pas duré. Capitaine Watanabe a fini par me donner son numéro en signe de confiance. Elle risque gros. Si on découvre qu'elle m'aide, elle perdra son poste. Fisk m'a bien fait morfler avec ça. J'ai failli l'utiliser comme preuve contre lui, mais... MJ m'a rappelé que je risquais la prison pour vol avec effraction. J'avais bien calculé mon coup, moi. Je dois trouver d'autres tours à activer. Ça, c'est quand on cherchait un appart avec MJ pour vivre ensemble. Et puis, on s'est séparés. Je peux vraiment être à côté de la plaque parfois. Reno a failli avoir ma peau jusqu'à ce que je brise ce petit morceau de corne et que je découvre de quoi était fait son costume. Ah, il m'a donné du fil à retordre, cela dit. J'ai mal à rien que d'y repenser. J'ai jamais pu donner à ce tracer une portée suffisante. Mais j'ai adapté la technologie pour mes pièges, ce qui s'avère super pratique. C'est ma thèse sur les neurotechnologies. C'est ce qui m'a valu mon premier boulot avec le docteur Octavius.
J'ai pris une balle de la police quand ils croyaient encore que je bossais avec Electro. Heureusement que ces bouquins sont épais. Dommage qu'ils soient si chers. Cet article mettant sur mon dos l'assassinat de flic par Electro a été la goutte d'eau. Je pouvais plus valider les mensonges de Jameson en lui fournissant des photos. À tous les agents près de Hellsax, répondez. J'ai récupéré des pièces bien cool sur ce portable. Avec un vrai budget, ça changerait tout. Et j'aurais pas à fouiller les poubelles. J'ai pu me passer mes lunettes quand j'ai eu mes pouvoirs. J'ai dû raconter que je m'étais fait opérer grâce à l'argent du concours de science organisé par Fisk. Ce morceau du premier uniforme de Shocker m'a permis de comprendre comment me protéger de ses attaques. Sauf qu'il faut toujours qu'ils améliorent leur matos. T'es censé mettre ce t-shirt au sale, il y a 6 ans. Fou. J'avais presque oublié avoir acheté cette boule de neige pour Tante May. Si j'aime autant cette ville, c'est sûrement grâce à elle. Tout dernier match auquel oncle Ben m'est emmené. Il faudrait que je l'encadre. Ses conseils me manquent. J'ai jamais fini cette candidature au Coffee Bean. J'aurais gagné un peu plus que maintenant. Premier appareil photo. Je l'avais trouvé sur une brocante. Ah, cette bonne vieille pellicule. Ça vient d'être signalé. À tous les agents près de centrale. J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. MJ a écrit cet article sur les manifestations étudiantes pour le journal de l'école. À l'époque, déjà, c'était une sacrée plume. Chaque jour, en tout point, je m'améliore. Bizarrement, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Nous avons une attaque en cours. Rendez-vous à... Ah ! La carte d'adieu de mes collègues du Daily Bugle quand je me suis lancé dans la recherche. Des gens vraiment sympas. Sauf... Patrick Fisk a fait fortune en vendant ses épices. Elles sont bonnes, mais pas à ce point. Il faut que je me penche un jour sur un tissu qui absorbe les ondes sonores et lumineuses. Une combinaison furtive me serait bien utile.
croquis de tenue. Pas mal. Mais je pense que l'araignée blanche, c'était le bon choix. J'aimerais bien savoir qui a dessiné cette BD sur moi. Il a un vrai potentiel. L'éclat du casque de Mysterio a inspiré mes oculaires. Porte plainte pour plagiat si tu veux, tête de bocal. Le Spidey Squad, mon seul et unique fan club. Quand Jameson s'en prend à moi, je me rappelle que eux sont de mon côté. 10-10, possibilité de vente de stupéfiants. Ce non-voyant m'avait donné sa carte au cas où Spider-Man aurait besoin un jour d'un avocat. Attends, est-ce qu'il est aveugle ? Comment il a su qui j'étais ? Les Spider-Signal ! Ah, c'était une super idée. Mais il fallait un faisceau lumineux tellement puissant que ça sursautait aussitôt. Jameson m'a donné ça à sa fête d'adieu du Daily Bugle. Je pensais que personne n'écouterait son émission. Je ferais mieux de retaper. Je sais pas si ouvrir ça libérerait vraiment Sandman, mais j'ai aucune envie de tenter le diable. Costume a connu des jours meilleurs. Je crois que... trouver un truc à faire pendant les planques. J'ai bien bossé, hein ?